Tu vas être déçu, mais tu vas être tellement déçu. Ce n'est qu'un haul. Every day we escape, losing all of our faith. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous retrouve pour un haul. Bah, comme vous avez pu le voir dans le titre, un haul craftelier. Donc il y a beaucoup plus de consommables, enfin colle, tout ça que de... Mais bon, je vais quand même vous présenter une jolie collection. Là, j'ai les die cuts sous les yeux, ils sont très beaux. Enfin, moi j'aime beaucoup, voilà. Et c'est aussi l'envie de printemps, tout ça, qui fait que je pense que j'ai beaucoup aimé. Bon, je vous montre tout de suite, on y va. Alors, donc il y a bien 3 commandes dans tout ça. Peu importe, parce que voilà, c'est pas le côté, le fait d'avoir 3 commandes, parce que j'avais oublié des articles. Alors on a les sucettes, les cartes, j'en ai que 2, et les petits fascicules, je sais pas si quelque chose a changé dans leurs fascicules. C'est peut-être perfo peut-être, je sais pas. Le truc d'encadrement pour les angles arrondis, les petits classeurs. Et puis, c'est à peu près toujours pareil. J'ai refait une commande, j'ai recommandé des plaques magnétiques A5 parce qu'ils en ont remis. Et j'en attendais depuis longtemps. Bon, bref. Alors, je vais vous montrer, mais il y a des choses. Donc, je vais commencer par cette petite valisette parce qu'elle est là au-dessus. Donc, ils l'ont sortie en rose. Donc, forcément. Alors, non, pas forcément. Honnêtement, je vous dis, j'en ai une de chez Wear Memory Keepers, exactement la même, sauf qu'elle est transparente et blanche, mais elle est cassée. Alors, il n'y a pas très longtemps, je m'étais dit, je vais me la recommander, mais en fait, je me suis dit, bon, tant pis, je la garde cassée. Vous voyez, la mienne, quand je l'ouvre, tout ça, là, les trucs, ils sont cassés, et même quand j'essaye de les remettre, ça se remet pas, donc elle est un petit peu fragile, donc voilà, c'est une boîte comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, elle s'ouvre bien. Et en fait, moi là-dedans, je range, là, je mets tous mes quelques tissus et tous mes accessoires pour la machine à coudre. Et voilà, elle est très très bien. Donc, il l'avait faite en verte et maintenant, elle existe en rose. Et bah donc, je me suis empressée de la prendre en rose. C'était obligé. Alors ensuite, je me suis pris un sketchbook. Je pense que ce sera pour faire mon art journal. Alors j'en ai un, alors oui vous avez, ouais, j'en ai un, mais j'aime bien ce format là, je verrai, je continuerai l'autre hein, de toute façon, c'est pas le problème, et c'est surtout éventuellement quand j'aurai terminé l'autre que je m'en servirai, voilà, pour que les choses soient claires. Hop. Mais on va regarder comment, à quoi il ressemble, parce qu'il n'y a pas écrit art journal hein. Mais j'avais regardé que c'était bon pour l'aquarelle, tout type de médias. Et que du coup, bah, ça allait être très bien pour l'art journal. Voilà. Donc, c'est la marque, c'est quoi? Art Création. Je crois que c'est ça. Hop. Et voilà. Donc, esquisser, crayon, fusain, craie. Pastel, graphite, encre et aquarelle. Encre et aquarelle. Et sur le site, il me semble qu'il avait écrit l'acrylique, tout ça. Enfin, tout ce qui est, donc ça me va très bien. Je ne sais pas les papiers. Alors les papiers, ils font 140 grammes sans acide. Voilà, ils sont assez fins. Ils sont assez fins pour... mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc voilà. Donc il fait 21 x 14,8 cm. Et il est tout beau, il est tout mauve. Donc voilà. Petit, la texture est très agréable. Enfin, au toucher, c'est très sympa, très doux. Donc les pages, elles sont pas blanches, elles sont crème. Ensuite. Alors. Là, je vais vous montrer, ça, je ne vous l'aurais pas montré si je n'avais pas d'autres choses dans la commande. Parce que là, c'est vraiment du matériel, enfin, des choses pour ranger. Donc là, ce sont les petites pochettes. J'ai pris 3 paquets. Ça, 3. Il me semble que c'est 3. Donc, 3 paquets de 5 pochettes.
Et dans ces pochettes là, moi je range mes die cuts. On peut y ranger les dies, on peut y ranger plein de choses. Elles sont vraiment très pratiques. Et vous voyez, elles prennent pas de place. Elles prennent pas de place et vous y rangez pas mal de choses. Donc voilà. Elles sont... J'ai pas de règle sous la main. J'en ai une là. Ça devrait être écrit peut-être dans le... sur l'emballage, non? C'est pas écrit? Sobres. Ouais, il y a écrit pour les dies apparemment. Rangement des matrices. Donc ils les ont faites pour ça. Mais en même temps, on y range ce que l'on veut. Et moi, j'y range mes die cuts. Voilà. Mes die cuts, mes découpes, etc. Donc elles font 17,5 par 13. Mais elles sont vraiment, vraiment très pratiques. Et donc je me suis repris 3 paquets de 5. Comme ça, bah, je suis sûre de ne pas en manquer. Hein. Et je vous dis, je peux ranger d'autres choses aussi. Hein. Là, comme ça, je ne vois pas ce que je range d'autre. Mais je peux très bien ranger d'autres choses dans ces pochettes qui sont super, super pratiques. Donc, j'en ai pris 3 paquets. Ensuite, j'ai pris de la colle. Donc, j'ai pris de la colle. Donc, j'ai pris celle-ci, la colle Nuvo. J'en ai pris 3. Parce que c'est une colle pour moi qui est vraiment... Enfin, voilà, elle colle très bien. Elle est nickel. Elle est très très bien. Elle est très bien, voilà. Donc avec l'embout là, je crois que celle que j'en ai terminé un pot et je crois pas qu'il m'en reste en réserve. C'est pour ça que j'en ai pris 3. Comme ça, voilà, c'est de la réserve. Si jamais j'en ai encore, c'est de la réserve. Pardon. Alors, j'ai aussi voulu tester leur taquiglu. Puisque quand je vous parle de la Nuvo, c'est de la colle blanche. La Takiglu, c'est de la colle blanche. Alors, c'est vrai qu'il faut regarder éventuellement la composition, etc. Mais ce qu'il y a de mieux pour le scrap, pour le papier, pour le cartonnage, c'est vraiment la colle blanche, pour moi en tout cas. Et donc, bref, je vais la tester, voir ce qu'elle vaut. Voilà. Voir si je peux même la mettre dans les... Enfin non, d'ailleurs dans les petits flacons, vous savez, tout fin. Mais non, je crois pas parce que... Non. Ouais. On en reparlera éventuellement. Et en fait, et ensuite, pour parler, ensuite, la Nuvo, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un gros. Vous savez, c'est une grosse mousse au bout. Je sais pas si je peux vous montrer celle que j'ai déjà. Je crois qu'elle est là. Voilà, il est juste là. Il ressemble à la Zig en fait. Vous voyez? Hop. Et en fait, voilà, on a une grosse mousse là qui est très 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 pratique. C'est vrament très pratique ce type de colle. Et il me semble que c'est press the tip down several times to please, no glue, excess pressure. Voilà, c'est un peu comme la Zig, sauf que je crois qu'elle n'est pas repositionnable lorsque... Enfin bref, le même. Mais elle est très 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 bien. C'est vraiment... Cet embout en mousse, il est très pratique. Et je me demande si je ne vais pas récupérer celle-ci qui va être bientôt vide, voire qui est déjà vide, pour étaler ma colle. Alors, à moins que... Il s'ouvre. Non, il ne s'ouvre pas. Ce serait trop beau. Ah mais si, je crois qu'on peut enlever la mousse. Je peux l'enlever. Et remplir. Je sais pas. Mais voilà. Cet embout mousse, il est très pratique. Et alors, je l'ai pris donc comme ça. Et en petit. Un embout mousse également en petit. Qui est très pratique aussi. Voilà. Pour les petits éléments, c'est super pratique à coller. Enfin, pour coller. Enfin, bref. Voilà. Et après, alors, j'ai pris... Alors, attendez. Je vais laisser dans la colle. Je vais vous montrer le carton. J'en ai pris 10 petits dérouleurs de colle parce que bah ça pour leur coller les photos c'est très bien. Je veux juste vérifier que ouais voilà photo double dérouleur adhésif. Il n'y a pas écrit s'il est sans acide ou pas, mais je pense que oui puisque c'est pour les photos. Donc voilà, ça c'est très pratique. Alors, j'ai pris parce que je retrouvais
pas, je retrouve plus le de chargeur pour celui-ci. J'en ai retrouvé deux que j'avais déjà en stock, donc tant mieux. Mais après ces deux-là, je ne sais pas si j'en retrouverai encore. C'est ça qui est dommage. Vous voyez, ce sont ceux-là. Je crois que j'en ai vu sur Amazon, mais il faut que je vérifie que... Enfin, bref, j'en ai plus que deux. Et après, c'est la fin. Je suis dégoûtée, mais j'espère qu'on en retrouvera parce que ce pistolet à colle, il est tellement pratique. Bon, bref, j'en ai pris 10 comme ça. Ça devrait me faire un petit temps, mais ça se finit super vite. Quand vous faites un album, sur les photos, bam, bam, on en met et ça part très, très vite. Donc, je vais tout remettre dedans. J'ai encore des choses à vous montrer, mais cette fois-ci, ce sont des choses de créateurs. Bah ouais. Donc, je mets tout dedans. Je vais même mettre les cartes, etc. Hop là, voilà ça. Je vais mettre ça là. Alors, j'ai pris, alors ça je vous montre à la fin. Ça aussi, ça va ensemble. J'ai pris ça. Ah mais non, je ne vous ai pas montré, j'ai pris ça aussi. En termes de matériel consommable. J'ai pris les petites plaques aimantées. Je crois que j'en ai pris 4 et que j'en ai déjà pris un là-bas, il me semble. Donc voilà, ça ce sont les tout petits. Je vous montrerai comment je range mes dies. Et voilà, elles sont très pratiques. Elles sont très pratiques. Voilà. Donc ensuite j'ai pris cette matrice, enfin ces dies. Oula, pardon, j'ai fait bouger le truc, ça va pas le faire. Ces dies, donc il y en a beaucoup. Donc, c'est The Mint Feather, la marque. Non, ouais, c'est ça, The Mint Feather, c'est bien ça. Et en fait, c'est pour faire une valise de voyage, une valise, mais en relief, en 3D. Donc, je vous montrerai. J'ai déjà, j'ai vu, alors, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu des créations avec et j'ai dit, mais oui, je la veux. Il me la faut, je la veux. Et donc, je me la suis commandée et je crois que ça fait l'objet d'une commande, d'une seule commande, je crois. Et merde, pardon, le carton s'est cassé la figure, c'est pas grave. Je vais quand même aller le ramasser parce que j'aime pas laisser les choses par terre comme ça. Mais juste, je finis de vous dire ça. Donc en fait, voilà, je l'ai vu circuler sur Instagram. Et je l'ai pris et je crois que j'ai fait une commande que pour ça. Peut-être ça et un autre truc ou je sais pas, mais enfin bref. Donc je vous montrerai parce que là vous vous rendez peut-être pas compte. Mais elle va être bien sympa. Donc je vais ramasser le carton et j'arrive. Voilà, donc ensuite j'ai pris pareil la collection, les petites nouveautés de Laura by Laura. Donc, elle a fait une gamme de classeurs d'embossage, donc embossite. Et donc, j'ai pris les nuages. Donc. Les arcs-en-ciel, je voulais dire les arcs-en-ciel, pas les nuages. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai pris les nuages et je les aime bien, je les trouve très jolis. J'aurais pu les prendre tous parce que franchement, toutes ces plaques d'embossage, elles sont magnifiques. Mais je me suis résignée, j'ai choisi que les nuages et je suis contente. Voilà, ils sont très beaux. Ça va être bien sympa dans les créas. Voilà, et ensuite, eh ben, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette collection. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas fleur d'habitude, mais celle-ci, ben, je ne sais pas. Je les trouve très jolies. Je les trouve très belles. Je vais regarder. Donc, c'est de la marque Moda Scrap. La collection, c'est Happy Flowers. Et ben, je les trouve très beaux. Voilà. Donc, j'ai pris les papiers par 30 par 30. On a 12 feuilles. 12 feuilles. On va regarder ça ensemble. Parce que, mine de rien, hein, sur les sites, on voit que la... Vous savez, on a une vision rapide, globale. Hein, mais je sais pas pourquoi, je suis sûre que ça va me plaire. J'en suis sûre. Donc. Alors. Voilà. Je vais regarder les papiers. Je vais les remettre dans ce sens-là. Je ne sais pas s'ils sont... Ils sont pas recto verso. Bah, c'est pas plus mal. Donc, on a celui-ci. Ils sont assez fins. Ils sont assez fins. Ils font combien? Ils font 170 grammes. Ouais. Alors, voilà. Bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas un mal qu'ils soient fins.
seulement pour les utiliser, on les utilise pas comme ça à même le papier. Je pense que je vais les coller sur du cardstock ou quelque chose comme ça. Bref, on a celui-ci. Donc déjà les couleurs, elles me plaisent. Et déjà, vous voyez, on n'a pas que des fleurs. On a aussi des motifs qui sont assez sympas. Alors, j'espère qu'au niveau de la luminosité, j'ai juste la fenêtre là qui est juste à côté. Ça devrait aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Je ne me mets pas trop devant. Alors, celui-ci, il est juste trop beau. Je ne sais pas si vous allez voir les motifs. Juste un petit motif, une sorte de rayure très... Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais en tout cas, la couleur, déjà, elle est très belle. Celui-ci. En fait, ça fait penser au printemps. Et je crois qu'on a tous des envies de printemps, de beaux jours. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour cette collection. Celle-ci. Qui est sympa. Les couleurs sont sympas. J'aime bien. Les couleurs sont... Ben, c'est le soleil. On a des petites flèches. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc celle-ci qui est très fraîche. Ça me fait penser à la menthe. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien ça aussi. Ça, c'est graphique en fait. J'adore celle-ci. J'adore les couleurs. Celle-ci, j'aime moins. Je la trouve trop foncée. Mais ça va faire contraste. Ça peut être sympa pour certaines créations. Et celle-ci qui est à l'envers. Voilà. Et alors, j'ai pris le même en petit, en 15-15. Parce que... ça peut toujours être intéressant pour quand on fait des albums, avoir des petits modèles de pages. Je vous l'ouvre pas, hein, c'est le même en 15-15, voilà. Tout mignon. Oui, c'est 15-15, c'est ça. C'est 15-15, je sais, mais voilà. Je le sais, et pourtant, donc c'est 15,5, hein, c'est pas 15 exact, c'est 15,5. Donc voilà pour celui-ci. Et pour aller avec, j'ai pris... une matrice de découpe, donc un dice, enfin des dice pour faire des fleurs. Donc il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs, des petites brindilles, des petites brindilles, des petits trucs et tout. Et là, on a l'exemple ici, je l'ai trouvé très joli. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris cette planche de dice qui est très complète. Je vais éventuellement la sortir du plastique, on la voit bien. Parce que là, on a le carton qui gêne. Allez, sors de là, s'il te plaît. Je voudrais pas tout de suite déchirer l'emballage, en fait. Là, il y a de la colle. Voilà. Ok. Et oui. Donc, voilà. C'est pas mal, hein. Voilà, là, vous le voyez tout. Par contre, arrête de bouger. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Surtout, ce que j'aime beaucoup, ce sont les brindilles comme ça. Ça aussi, j'aime bien ça. Mais ça va être très sympa. Je suis sûre que ça va être très sympa. Regardez, ça, pour le... C'est pas un tournesol, là? Je sais pas, on dirait un peu, là. Bon, bref, on verra. Mais moi qui suis pas du tout fleur, bah là vous voyez, j'ai envie de fleurs. Allez comprendre. Ou pas. Attendez. Je vous mets au moins pas trop zoomé non plus. Alors, je remettrai après dans sa pochette. Et ensuite, j'ai juste pris les die cuts qui ont l'air très jolis aussi. Je vais les sortir tout de suite. Donc, on va les disposer. On va les disposer et je vous fais un zoom.
Alors, voilà, donc on a tous ces petits die cuts. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Mais honnêtement, vous les voyez très bien, je trouve. Il ne veut pas zoomer. Voilà. Donc, on zoome un petit peu. Mais bon, après, vous voyez, il y a surtout des... Il y a plein de petites fleurs, tout ça. C'est très, très joli. Puis, des petits écriteaux, j'allais dire. Mais ouais, pourquoi pas. Enjoy every day, every moment. Here and now. Ici et maintenant. Follow your dream, suis tes rêves. Enfin, c'est très très joli, très printanier, très positive, onde positive, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'était la dernière pièce de mon haul. Je plaisante hein, quand je parle de pièces. Hein. Dernier article à vous présenter. Donc j'arrive tout de suite. Voilà, 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 voilà. Donc pour ce haul. Encore de quoi scraper, de faire de jolies choses. Enfin, je parle surtout de la collection de Moda Scrap. Follow your dream. Mais voilà, j'avais vraiment envie de fleurs. Je crois que ça se voit même jusque mon sweat. Donc, vous avez qu'à voir. Et ouais, j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Maintenant, il va falloir que je me calme. Parce qu'il y a version scrap qui arrive dans un mois à peine. Et j'ai fait la connerie hier. J'ai commandé chez Comptoir du Scrap. Parce que on m'avait dit que normalement quand on a du scrap ne sera pas la version scrap. Apparemment si, ils vont y être. Mais je l'ai su. C'est Aurore qui m'a dit ça quand je lui ai dit que j'avais commandé sur version scrap. Puisque ils seront pas là à version scrap et que j'avais. Sur comptoir du scrap, pardon. Et qu'ils ne seront. Puisqu'ils ne seront pas présents à version scrap. Et que j'avais des choses en tête déjà depuis un moment. Et en plus, je vais mettre de la crème, j'ai mal aux mains. Et bref. J'ai vu sa présentation de la nouvelle collection et puis forcément j'ai craqué pour un ou deux trucs, hein, pas tout. Mais en même temps je me suis dit ben, je vais commander et puis je vais m'en profiter pour commander ce que j'avais envie de commander avant ou alors d'acheter la version scrap. Mais vu qu'ils... Enfin bon bref, finalement ils seront en version scrap. Alors c'est pas bien grave, mais moi vous savez j'aime bien acheter en voyant et tout. Alors je pense que je craquerai quand même s'ils sont en version scrap, je craquerai. 1, 2, 3. Je craquerai quand même pour certaines choses. Parce que j'ai vu d'autres choses sur la boutique et peut-être qu'en version scrap, il y aura des choses qui n'étaient pas sur le site. Qui sait? On ne sait pas. Donc, il y a un haul Kimidori qui va arriver. Il y a un haul, quoique Kimidori, je ne sais pas si c'est un truc que je vais vous montrer. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Je sais que j'ai commandé des pochettes pour ranger les grandes feuilles de scrap, les feuilles à 30-30. J'ai pris un dies et j'ai pris quoi d'autre? Je sais plus ce que j'ai pris. Pas grand chose. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, à compteur du scrap, je vais vous montrer parce que j'ai pris de très jolies choses. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Et entre-temps, peut-être des petites créations, ce serait sympa. Je vais voir si je peux scraper la... Faire la... mes créations de fait du scrap parce que j'ai envie de commencer ça. Je peux toujours pas commencer. Voilà. Vous savez tout maintenant. Bon, mais maintenant, je vous dis que je vous kiffe. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao mes paillettes. Mais vous savez quoi? Ben, je vous kiffe. À bientôt. Every day we escape losing all